Donc les gars, yo tout le monde, pour cette deuxième partie de YTB avec Macron, c'est parti les gars, on continue. On est arrivé au même endroit les gars, j'ai rien touché, donc c'est parti, on continue, classer le débat, le meilleur débat les gars. Bonsoir, franchement il est bien. Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous, bienvenue pour ce débat de l'entre-deux-tours pendant fermez deux... votre gueule. Alors les gars, on va le recommencer. C'est pas le même que l'autre fois, hein, je vous le rappelle pour ceux, et ceux qui viennent seulement d'arriver sur la vidéo, ils ont pas vu celle d'avant, c'est normal, j'étais tatoué, regardez, je me suis fait tamponner, donc n'ayez pas peur. C'est parti les gars, on commence. Pour ce débat de l'entre-deux-tours, pendant fermez deux... votre gueule, je vais m'en occuper. Déjà, me montre pas tes dents parce que je vais te bifler. T'es en train de me chauffer là. On peut se calmer là. Non mais attends, mais je vais t'en foutre une. Ok, c'est bon, j'ai compris. Viens ici là. Arrête. On est en direct. Allez, bim. Hein. Arrête ça. Ça s'appelle le respect. Ça fait mal à la tête. Non mais ça t'apprendra. Hein. Tiens. Oh putain, je me lève. Non, monsieur Macron. Tu vas voir, sale pute. Est-ce qu'on peut débattre maintenant dans le calme? Ouais, ouais, désolé, c'est la coque. Bon, du coup, Marine Le Pen, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre programme? Écoutez, moi c'est tout simple. C'est en trois mots. Virez les Arabes. Voilà. Vous avez raison. Vous êtes sûr que c'est tout? Si, j'ai une autre idée. Je veux remplacer l'euro par des billets de Monopoly. Ouais, je vais mais faire n'importe ça. N'importe quoi. Les Français ont aussi pu voir... Le vrai Macron ? Le vrai Macron ? Je t'aime encore, je t'aime jusqu'à la mort. Madame, au secours ! Monsieur Macron, quel est votre programme ? Écoute Marine, non, j'ai envie de te faire l'amour. Y'a aucun problème. J'ai envie d'être ta chienne. Allez, soumettez-vous. Ouais, vas-y, insulte-moi. Je soumets. Vas-y, fouette-moi, je me mets à quatre pattes. À plat ventre. Plus fort. Excusez-moi, vous pouvez arrêter ? Par le pouvoir d'Osiris. Transforme-toi en sanglier. Arrêtez la drogue. Transforme-toi en sanglier. Transforme-toi. Non, mais ça marche pas. Mais qu'est-ce que je fous là? Oui, mais attendez. Monsieur Macron, on ne sait toujours pas si vous êtes à gauche, à droite. À gauche, à droite. À gauche. Ta gueule! Je vous remercie. Madame Le Pen, comment lutter contre le terrorisme? Mais que c'est extrêmement simple, et qu'on fait payer eux, alors que encore une fois, on arrête Jacques Chirac. Votre avis, monsieur Macron? Le terrorisme et la menace terroriste, c'est Jacques Chirac, voilà. J'aimerais aborder une question avec vous. Êtes vous êtes arabe, maintenant. Monsieur Madame Macron? Madame Le Pen, Madame Le Pen, est-ce que vous êtes arabe, ma question. Madame Le Pen. T'es arabe ou pas? Vous pouvez me laisser répondre de manière posée aux choses, parce que ces débats sont sérieux. Ah ben, ce ne sont pas des débats d'insinuation, surtout sur des sujets où votre parti est ambigu. Je ne suis pas mal à l'aise. T'es arabe. Ce que j'ai dit, c'est pourquoi des jeunes Français se radicalisent. C'est la question qu'on doit collectivement se poser. Et vous avez raison. Sur mon papier, il y a écrit que tu manges du couscous. Madame Le Pen, je sais ce que j'ai dit, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ah ben, ne mentez écrit, pas, hein. Une fois encore. La cause première, ce sont les djihadistes, ce sont les terroristes. C'est pour ça d'ailleurs que je veux mener une guerre intraitable hors de nos frontières chez les terroristes. Vous êtes arabe, il faut laquer la Syrie, ça a t'as été du sang algérien. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Bougnoul de 25 ans. Et puis j'ai pensé aux familles, parce que vous y pensez pas beaucoup aux familles. Ah ça y est. Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je voudrais savoir quelles sont vos propositions, Marine Le Pen, dans ce contexte actuel. La sécurité et le terrorisme est une problématique absolument majeure. Contre le terrorisme, il faut d'abord retrouver nos frontières. Ouais, bah avant de fermer les frontières, ferme ton cul, Marine, parce qu'entre tes fesses, il y en a de l'immigration. Vous cliquez le petit pouce bleu, hein, parce que comme ça, ça aide de perlimpin. N'hésitez pas les gars à faire ce qu'il a fait les gars et on continue les gars avec la suite, c'est parti. Allez les gars, on va dans la suite. De Perlimpin. C'est parti les gars pour le prochain. Je leur pisse au cul. J'ai même pas vu ça. Attention les gars, le plus long, on a François Fillon les gars entre eux. Fils de pute. Il a pas dit bonjour.
Mais d'abord, on va regarder votre portrait sur le téléviseur qui est juste derrière vous. Regardez ses sourcils, on dirait un panda. Salut, je suis Fillon. Je sais, j'ai eu un peu de problème avec ma femme, mais bon, passons à autre chose. Feeling à travers Pénélope, on cherche à me casser. Est-ce que vous étiez une victime à l'école? J'y ai des bons souvenirs. C'était moins moderne qu'ici. C'était des vieux. Qu'est-ce qu'il raconte, ce fils de pute? Tout le monde avait gratté son nom Monsieur avec. Monsieur Fillon, vous avez une érection? Et il y avait une discipline très sévère. C'est pour ça que vous bandez? Et l'école, ça doit être vraiment un lieu où on apprend le respect, la discipline. Pénélope, elle était absente à l'école? C'est pas la même question parce que Léopoldine. Mais ma maman, elle est professeure et vous voulez... Elle me casse les couilles, celle-là, avec ses questions. Mais dedans, il y a des professeurs aussi. Oui, mais ta mère, c'est une pute, Léopold. Moi, je n'ai peur de rien. Moi, pour moi, le plus important, ce que je veux faire, c'est que je veux que tous les Français aient un travail. Pénélope aussi, elle en aura un. On peut pas les juger comme des enfants. Parce que sinon, ils savent qu'ils ne risquent rien. Donc... J'ai faim, j'ai envie de manger du jambon. Maya. Est-ce que c'est un fils de pute, Poutine? C'est pas le mot que j'utiliserais, tu sais, c'est un chef d'État qui dirige le plus grand pays du monde en superficie. Fils de pute, du coup. Lisian. Moi, j'habite à Bayonne et j'adore le jambon et je voudrais savoir si vous baisserez le prix du porc. Ah, le maire de Bayonne, je le connais bien, j'ai la famille à Bayonne. Bonne tranche de jambon. Mohamed. Est-ce que vous savez imiter l'avion? Ouais, non. Enfin, mon fils le fait très bien. Mais moi, non. Fils de pute. Moi, c'est un truc comme ça. Faites le salut nazi maintenant. Aïe, ouais, le salut nazi. Le salut nazi. Il est comme ça. Allez, les gars, c'est parti pour Jean-Luc Mélenchon. Ça arrive, ça arrive. Bonjour. Bonjour, Marine Le Pen. Marine Le Pen. Bonjour, mesdemoiselles et messieurs. Il est vraiment moche. Je suis bien content de vous voir. Ta gueule. Je sais plus son prénom. Adolf Hitler. Bravo. Alors, vous le trouvez comment? Oh là là, il est sexy. Jean-Luc Mélenchon n'est pas né en France. Ah, c'est un immigré? Au Maroc. Ah bon? Il est né au Maroc? Rabat? Non. Casa? Non. Marrakech? Non. Ta mère la pute. Et non. Tanger. Mademoiselle Ellie. Pourquoi Marine Le Pen, elle n'est pas venue? Là, grosse te pue. Oui. Quelle est la taille de votre... Maya. Bon, je vais pas te faire la blague que tout le monde a déjà dû te faire 100 fois. Qu'est-ce qu'on dit sur Maya? Maya la pute. Et voilà. Pourquoi vous avez choisi comme nom la France Insoumise? Déjà, j'ai pensé à ta daronne. Alors j'ai pris un ovrette là, bim. Je l'ai retourné une fois, je l'ai retourné deux fois. Et puis là, je vois qu'elle est accrochée à ma bite. Allez, pum, dégage, grosse pute. Je l'ai trouvé gentil et en plus, il est tellement sexy. Ce que je retiens, c'est quand je lui ai posé la question et que... Il a insulté ma daronne, j'ai trop kiffé. En plus, il m'a raconté qu'il a soulevé, il l'a soulevé dans tous les sens. Il faut respecter leur... leur daronne, hein. Bon, après, ils vont tous voter Marine Le Pen, donc je les ai défoncés. Ouais. Benoît Hamon, attention les gars, c'est plus marrant. L'un des plus marrants. Bonjour. C'est qui? C'est un candidat? Est-ce que c'est un candidat? Kim. Excusez-moi, vous êtes le concierge? non, là t'es sévère, Kim, quand même. Ça vous embête si je me fous à poil un peu? Parce que là j'ai un peu chaud. Là. Allez-y, allez-y. Commence à me faire peur. Mettez-vous à l'aise. Non, mais nous, on aimerait savoir qui vous êtes. Vous avez une minute, sinon j'appelle les flics. Attendez, attendez. Alors moi, tout d'abord, j'ai un salaire. Et comme j'avais la flemme d'aller au boulot, hop, on m'a supprimé mon salaire. Alors, comme j'avais plus d'argent et je savais pas où habiter, j'ai squatté une maison. Et du coup, je me suis caché dans les toilettes, là. Ça pue et sa mère. Vous savez, quand vous mettez le doigt dans votre cul et vous le léchez. Et voilà. Oui, le sosie de The Weeknd, pose ta question. And I know she'll be the... Quelle est votre insulte favorite? Bamboula. Bamboula, bamboula. Est-ce qu'on pourrait faire une photo de classe? Avec plaisir. Bamboula. Ça fait marrer les gars. Allez. Bonjour. Oh, on se calme. Ben voilà, c'est pas compliqué. Vous savez qui je suis? Moi, je suis Emmanuel Macron, ok? Bonjour, moi c'est Timothée, j'ai... Mais j'en ai rien à foutre. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Là... Attends, mais tu t'appelles comment, toi? Moi, je m'appelle Tenzin. Mais ça pue la merde, ton prénom, là. Parce que mes parents, ils ont visité le Tibet et donc... Attends. Ferme ta gueule.
Ça te fait marrer? Il ne fait pas de... Moi, j'ai une voiture diesel neuve. Donc, faut que je la revende ou pas? Attends, non mais toi d'abord, t'es roux. Des roues, qu'on a un gros problème là. Plus il paraît que les roues une petite bite. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est dans les livres. Hein. Faut le savoir. Hein. Tu sais de quelle taille elle est, moi ma bite? Tu sais quelle taille elle est? Elle est comme ça, comme ça. À quoi il vous sert Bayrou? Ouais, à quoi il sert? Même moi je sais pas à quoi il sert. François Bayrou, c'est comme ma petite chienne. C'est un bon toutou, mais je le promène aussi des fois. Hein. Ce que je retiens de ma rencontre avec Emmanuel Macron, c'est que franchement pour un homme politique, il est hyper sympa. Il est jeune, il est dynamique. Il est jeune, il est dynamique. Oui non mais moi je suis Emmanuel Macron, je suis jeune et dynamique. Car c'est notre projet. Vive la France. Vive la République. Ta gueule. Le petit gay, le petit pouce bleu. Hein. Les gars, cliquez le petit pouce bleu. Allez c'est parti, prochaine vidéo les gars. Allez bien les gars, la petite musique là quand même. Ta gueule. Je leur pisse au cul. C'est parti les gars. C'est parti. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Anne-Claire. TG. Merci Anne-Claire. Nous sommes à 60 000 jours du premier tour de l'élection présidentielle et pour la première fois, les cinq principaux candidats ont accepté de se battre entre eux. Fight. Je vais éradiquer tous les corrompus. Absolument tous. Alors ce soir, ils vont tenter de vous convaincre qu'ils ont toutes les qualités pour devenir président de la République, mais ils vont aussi confronter leurs petites bites. Jean-Claude Anne-Claire. Merci beaucoup. Les amis, vous avez devant vous un con. Notre détermination à mener la bataille du redressement français, ça suffit le socialisme. Ça suffit. Ce projet qui est le nôtre, c'est un projet qui est le nôtre. Ce projet est un projet, soyez fiers du projet qui est le nôtre. Je suis le candidat du projet. Mais oui, c'est clair. Je suis le représentant des insoumis. Ce sont les insoumis qui vivent au-dessus des puissants. Votez et dégagez-les tous. Tous. L'immigration. Je veux être la présidente d'un peuple français libre. Et pour ce faire, nous avons besoin de tous les étrangers et de tous les musulmans. T'as adoré le projet. Un mot concernant les règles de ce débat, vous aurez évidemment tous le même temps de parole, sauf Benoît Hamon. Sauf Benoît Hamon. En vrai, Benoît Hamon, j'aime bien. Au bout d'une minute trente, une lumière rouge s'allumera sur Emmanuel Macron, le PD. Et à partir de ce moment, vous pourrez vous battre entre vous et vous pourrez violer les Français. Quel président voulez-vous être? Vous avez chacun 18 heures pour vous exprimer. François Fillon, le tirage au sort, vous êtes désigné pour commencer. Allez-y. Avant de répondre à cette question, je voudrais juste dire que je m'en fous des Français. Je suis riche. J'ai 150 000 millions d'euros. Je voulais le dire ce soir. Rends l'argent, connard. Je sais que les tables. Ah non, là, regardez les gars. Nique ta mère. Allez, là les gars. Le chinois va faire des. Là, les gars, faut qu'on se le refasse ce moment. Les gars, si vous pouvez pas faire rire à ça, c'est pas possible. Nique ta mère, enculé. Le chinois va faire des chaussures. Jean-Luc Mélenchon, voulez-vous être président? Oui. Macron, vous avez la parole. Le rôle. Bonsoir. Je ne fais pas partie de la vie politique. Je suis là parce que j'ai su ces débites. Certains ou certaines me l'ont parfois reproché. J'en ai conscience, mais j'en suis fier. Marine Le Pen, quelle présidente voulez-vous être? Je veux être la présidente de la République française qui respecte pas les Français, mais vraiment. En gros, il s'agit pour les Français de se faire enculer. Benoît Hamon, quel président voulez-vous être? Mes chers concitoyens, plutôt que de répondre à la question, je voudrais m'adresser à vous
et vous poser cette question. Pourquoi j'ai une tête de con? Non, mais sérieux, j'ai les mêmes oreilles que Dobby dans Harry Potter. Merci Benoît Hamon. Victime. Passons maintenant au premier thème de ce débat. Abordons tout d'abord l'éducation. Vous partagez tous ici le même constat. Il faut améliorer notre système scolaire et c'est à l'école primaire que tout se joue. Jean-Luc Mélenchon. Oui. Jean-Luc Mélenchon. Essayons de regarder ce qui est positif. Nous sommes une des nations qui produit le plus grand nombre de clochards pour 100 000 habitants. Mais quand même, je voudrais d'abord prendre un peu de la hauteur. Prendre de la hauteur. Ah. L'école est le pilier fondamental de notre vie commune. C'est très important. Je propose que les milliers de jeunes qui vont à l'école jouent à Pokémon Go. Incroyable, car ça plus 170 pays. C'est... Un jour vous serez la meilleure dresseur. Voilà l'école dont moi je rêve. Merci, Merc Mélenchon. Benoît Hamon. Sus ma bite. Je suis raciste. Ça sentait un zone, les gars, j'adore. Objectif 100. Les gars, en vrai, il y en a combien? Attends, il marque ça, les gars. Vous pouvez vous abonner, on est d'accord, mais ça dépend combien d'abonnés. S'il y en a plus que moi, je vais faire ma gueule. N'allez pas vous abonner. C'était le dernier? Ah ouais, les gars, après, c'est fini. C'est mon... J'aurais jamais dû continuer. On le finit quand même. La fin de cette vidéo. Enfin. Attendez les gars, c'est juste parce que... Donc voilà, c'est la fin de Macron les gars. J'espère que ce deuxième épisode du samedi soir vous a plu parce qu'il n'y aura pas de live ce soir. Je suis vraiment désolé les gars. Mais j'espère que ce petit épisode du coup vous a plu. Nous on se retrouve du coup les gars dimanche soir en live sur YouTube 20h, 21h30. Comme d'habitude, et encore merci les gars, parce que je vous ai pas dit merci sur la première vidéo. Merci encore pour le live de jeudi soir qui a été magnifique les gars. Je vous aime. C'était le plus beau live qu'on a eu, les gars. Vous avez fait 73 vues, les gars, sachant que la vidéo n'était en non répertorié et pas en public. Donc, merci beaucoup. Et aussi, les gars, pour les 15 likes. Et merci à tous les nouveaux abonnés. On est quand même à 431 abonnés. On peut encore faire mieux, les gars. Je compte sur vous. Go tout dessus. 1000 abonnés, déjà. Bon, après, c'est bien 500, mais il faudrait vraiment aller aux 1000. Sachant que là, à ce rythme-là, la vidéo... 400 abonnés, la première partie est faite. Il manque plus que la deuxième partie, sauf que là j'ai vraiment pas le temps de la faire. Là dans 5 minutes je dois être à mon badminton. Donc voilà, j'ai fait la petite vidéo là, c'était cool. Les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les gars. À dimanche soir pour le live, bah du coup à demain soir les gars pour le live, ciao tout le monde, ciao. Allez les gars, bientôt pour une prochaine vidéo, ciao. Jack it up.